c'est Paris. Paris Saint-Germain, Japon Tour 2022. Hello everyone in Japan. Hello Tokyo. Tenemos tres partidos contra equipos de la Liga Japonesa. Hello, Osaka. Ici, c'est Paris. Paris Saint-Germain, Japon Tour 2022. Hello Tokyo. Tenemos tres partidos contra equipos de la Liga Japonesa. Hello Osaka. Ici c'est Paris. Paris Saint-Germain, Japon Tour 2022. Hello Tokyo. Tenemos tres partidos contra equipos de la Liga Japonesa. Hello Osaka. Ici c'est Paris. Paris Saint-Germain, Japon Tour 2022. Hello Tokyo. Tenemos tres partidos contra equipos de la Liga Japonesa. Hello Osaka. Ici c'est Paris. Salut à tous, bienvenue ici à Tokyo en direct du Japon pour le deuxième jour de la tournée du Paris Saint-Germain ici en terre nippone. Salut David. Salut, welcome to the Chichibu Memorial Rugby Ground. This is the live training session for Paris Saint-Germain, the second training session here in Tokyo. Exactement, comme David l'a dit, nous sommes dans ce très beau stade du Chichibu Memorial Rugby Stadium. 15 000 supporters japonais sont attendus, d'ailleurs ils sont en place, ils sont prêts. Dans quelques instants, l'entraînement eh bien, ouvert au public va démarrer. On attend une grande ferveur, on peut vous dire. Il y avait beaucoup de supporters devant l'hôtel, dans les rues, devant le stade, bref, une vraie effervescence ici. Yeah, this is the second training session here in Tokyo, but this one is special because as you can see, there are supporters here. There's about 15,000 supporters here, including the fan club of Paris Saint-Germain of Japan here. As well as when we landed and arrived at the hotel, they were there to greet all the players. Ouais, David a raison, on va reposer le contexte. Hein. D'abord, 13 heures de voyage d'une capitale à l'autre, de Paris à Tokyo. On a pris 7 heures de différence. Chez vous, il est peut-être midi passé. Chez nous, c'est 19 heures passé, plus de 30 degrés. Grosse humidité, si vous nous voyez suer un petit peu ici. Pour les joueurs, ça va être difficile. Hier, séance légère, 40 minutes. Aujourd'hui, plus d'une heure pour permettre eh bien, au public local de profiter de cette séance. Yeah, let's set the scene for you a little bit. It was a 12-hour flight, which was a bit long, of course. And when we landed, it is warm. It's hot, we're humid, we're sweating, as you can see. But it's good conditions for the players to train. The pitch is in good nick. We are about 7 hours ahead of local time in Paris. So right now, it's just after 7 o'clock here in Tokyo. Bon, le concept d'une pré-saison, c'est deux choses. Hein. Évidemment, eh bien, promouvoir le club eh bien, ici en Asie, aller à la rencontre du public local, David, évidemment préparer les corps, les esprits. On va en parler dans quelques instants avec Patrick Amboma qui va nous rejoindre et qui connaît très bien à la fois le Japon et le Paris Saint-Germain. Se préparer au mieux à la compétition et également, David, yeah, that's right. C'est tout ça hein, en même temps.
Voilà. So of course Patrick and Boba will join us a little bit later, but just ahead, of course, let's just talk a little bit about the players and all the activities they've had to do. They've had a lot of stuff to do today. They met with kids, they met with influencers, local journalists and esporters. Messi, Neymar, Mbappe, Marquinhos with the kids earlier today with the training session. So there's been a lot of activities, but of course the hard work is coming as well. Il l'a dit David, c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses pour permettre aux joueurs du Paris Saint-Germain d'aller à la rencontre du public nippon. Avec les enfants ce matin par exemple, eh bien Neymar, Messi, Mbappé ou Marquinhos, eh bien sont allés les voir. Justement, ils sortent, les joueurs du Paris Saint-Germain, vous entendez la ferveur un petit peu? Yeah, that's right. Alors on va raconter un petit peu donc ce qu'il y a autour de cet entraînement. Avant dans la journée, c'est vrai qu'ils sont aussi allés à la rencontre des journalistes de TBS par exemple. C'était le cas pour Sergio Ramos ou Neymar Junior qui ont fait des challenges notamment. Et bien des joueurs de e-sport. Le e-sport ici c'est très important. Et on l'a dit, la pré-saison c'est aussi l'entraînement. On va appeler Patrick dans quelques instants. Yeah, let's watch. Ouais. Non, on appelle Patrick. Oh Patrick. Bah oui. I'm in. I'm sorry, I couldn't hear you. So what you could hear just a few minutes ago were all the players coming out into the pitch. How are you doing, Patrick? Good? Doing good, doing good. No worries. Happy you could join us here. This is Patrick Mboma, of course, Cameroonian striker, former Paris Saint-Germain player, played at Paris Saint-Germain, and then three clubs here in Japan as well. En effet, Patrick donc a évolué au Paris Saint-Germain dans la capitale de 92 à 97. Ça tombe bien, en 95, il y a eu des matchs ici au Japon, mais au Japon, il y est retourné de ses propres moyens comme un grand, puisqu'il a évolué dans trois clubs différents ici sur la terre du soleil levant. Donc il connaît très bien les deux contextes. Bah du coup, ça m'amène à la première question, tout simplement. On parlait de la ferveur à l'hôtel, vous voyez peut-être les images, en tout cas vous entendez ce qui se passe dans le stade. La ferveur ici, comment elle s'explique? C'est pas forcément le sport numéro un, le football ici. Non, le sport numéro un, c'est avant tout le baseball. Le sumo venait en numéro deux et puis le football l'a suppléé. Je ne sais pas d'où vient le lapsus. Hein. Le football l'a suppléé et c'est devenu une vraie ferveur. Vous savez, les Japonais sont très mode. Il y a eu une mode au début des années 90 qui a été le football et elle est restée présente. Well, we can see here when we arrived to the hotel, the fans were going mad. Here we can see the fans going mad. Of course, you played here. What was the fan culture like when you were here? You know, when I was here, I was just impressed by the way the crowd came to you, show how much they love you, they cheer you all the time. Never asking for nothing but a signature, a photograph, and it was just an amazing experience. Yeah, I think you mentioned that love was something you really cherished when you came here. It was something you really cherished about being in Japan, is that right? Yeah. Okay. But what was a crazy stuff for me, for my family, a nice, very nice experience. Vous entendez la ferveur, donc du coup, bah, je vais t'amener sur le même sujet en français. Toi, du coup, tu connais très très bien Tokyo, tu connais très bien le Japon. Comment ça se passe ici et quel regard tu portes sur l'amour qu'ils ont envers le Paris Saint-Germain? On imagine que c'est quelque chose qui, ces dernières années, a explosé comme aux quatre coins du globe. Oui, c'est vrai que depuis l'arrivée des grandes stars, et donc amenées par les Qataris au Paris Saint-Germain, on a vu une effervescence. Les Japonais, je vous disais, sont très modes. Et perfect, thank you. Allez Paris, bienvenue au Japon. Between the players.
Alors il le dit, forcément ça va être bien pour un petit peu estimer la condition physique des joueurs. Deux matchs, on l'a dit, ça commence donc contre Frontale donc mercredi. Il y en a deux ici à Tokyo, il y en a un qui va nous emmener du côté d'Osaka que connaît encore très bien Patrick, c'est simple. Il a joué pour ou contre toutes les équipes, mais il a joué pour hein, du côté d'Osaka. Et donc c'est vrai que ça va être des matchs où on va pouvoir un peu se jauger. C'est important, une pré-saison. Alors cette année, c'est encore plus particulier parce que ça va être entrecoupé par une Coupe du Monde cet hiver. Mais une pré-saison, physiquement, tu connais très bien ça. À quel point c'est important dans la condition physique des joueurs ? C'est extrêmement important. D'une part pour le joueur individuellement, pour réussir à tenir toute une saison. Et puis collectivement, c'est important d'amener les joueurs au même niveau de forme. Vous savez, souvent, on vise une période de l'année où il faut être plus déterminant qu'à un certain moment. Quand on a des ambitions du Paris Saint-Germain, on pense à février, mars, jusqu'à la fin de la saison. Et cette année, c'est une année particulière parce qu'il va y avoir un gros break d'un mois lié à la Coupe du Monde. Donc, il faut former les joueurs pour toute une saison, mais en même temps pour leurs équipes nationales. Parce qu'on sait que au Paris Saint-Germain, on a quasiment que des internationaux. Quasiment tous les joueurs seront intéressés par cette aventure au Qatar. Donc il est essentiel pour la préparation physique de bien jauger et puis de bien faire en sorte que les organismes soient prêts dans une dizaine de jours d'apport pour le début de la saison officielle, mais aussi pour la Coupe du Monde, parce qu'il faut qu'ils reviennent et finissent la saison tambour battant. As we're talking about that physical preparation, I kind of have a question for you. When you were a player, did you like to have preseason in a place that was as hot as possible to prepare, or what were the conditions like when you were preparing for preseason? What did you like? Did you like it to be very hot, or? I'm not very hot. Very hot in general. We search for warm temperatures, but not hot temperatures. Here in Japan today, for instance, it's not as sweat that it could be. We don't really have to complain. I can even say that it's fresher than expected. But in general, when you are in summer in Europe, you search for mountains, so for places not cold, but it's important to have freshness enough to practice and to study better the conditions of the bodies. Je précise parce qu'il en parlait il y a quelques instants, Patrick, en effet, on prépare les corps aussi pour le premier match officiel de la saison. Au cas où vous n'auriez pas encore coché dans le calendrier, ce sera le 31 juillet prochain. On basculera d'un continent à un autre. On ira du côté d'Israël et plus précisément de Tel Aviv pour le Trophée des Champions qui nous opposera là encore à un ancien joueur et coach qu'on connaît très bien, un certain Antoine Comboiré, qui sera sur le banc du FC Nantes, vainqueur notamment de la Coupe de France. David, on n'oublie pas. That's right. Umber ouais. Mentioning that the Trophy of the Champion is basically at the end of this tour. Exactement. As soon as we finish up here in Japan, we go to Tel Aviv to play against Nantes. But of course, we also play against Osaka, a former team of yours. Yeah. Hey, ouais. Were you excited to see this? Or? Yeah, definitely excited because Osaka was my first club and my first great experience as a man, as a footballer, and here in Japan. And for the first year here, I was a top scorer, named in the best 11. So it was a successful period, and I'm just looking forward to going again there. Now, do you still follow? Sorry, I had to follow up on this. Do you still follow the J League as well? Je vais traduire après, promis. Yeah, not that much, to be honest, because of time difference. First of all, I just can see the results sometimes. I'm curious to know what's happened for my former team. There is Tokyo Verdy, Vissel Kobe, where Iniesta is playing, and Gamba Osaka. But to be honest, I'm not so that link. First of all, with Japan today. But it's kind of, I'd say, a second country because I came here and find the right confidence to take off in my career, and it was really, really important for me. Merci les gars pour la traduction. Alors je vais m'en charger.
Alors du coup, c'est vrai qu'il a dit, il parlait notamment d'Osaka, c'était son premier, sa première grande expérience ici en tant qu'homme, en tant que joueur au Japon, au terme d'une première saison, au terme de laquelle il a été élu notamment meilleur buteur. Donc c'était une superbe expérience, il en garde de super souvenirs et on comprend mieux pourquoi les racines eh bien, de Patrick ont pris ici, voilà, sur la terre du soleil levant. Parce que c'est normal, eh bien, 5 années comme ça, on n'oublie pas. Donc c'est 4 années, ouais, donc c'était très beau. Et alors, est-ce qu'il peut suivre au quotidien les résultats? Pas forcément, c'est un peu plus compliqué, non, mais il suit quand même, il est honnête. Mais c'est son ancienne équipe, évidemment qu'on a toujours de l'affect pour son ancienne équipe, donc il suit. Mais vous inquiétez pas, vous les amoureux du Paris Saint-Germain qui nous suivez sur les réseaux du PSG, on sait que ce sera les Rouges et Bleus qui va soutenir durant cette tournée. Je n'ai jamais cessé de suivre le Paris Saint-Germain, voilà. depuis la nuit des temps. Voilà, c'est le cœur qui parle, exactement. Alors du coup, on parlait beaucoup de physique. Du côté athlétique, de la condition des joueurs, à quel point c'est important cette pré-saison pour préparer au mieux eh bien, l'exercice 2022-2023. Mais il y a aussi ce qui se passe dans la tête, dans l'esprit, dans le collectif. Tout à l'heure, tu l'as brièvement évoqué, tu as dit qu'il y a un nouveau staff, qui est Christophe Galtier, avec ses adjoints notamment. Et il y a aussi des nouveaux joueurs. Alors, il y a Vitinha, le très jeune Portugais, tout juste élu d'ailleurs meilleur espoir de son championnat. On a officialisé également l'arrivée d'Hugo Ekitike. Donc ça, c'était hier, hein, en attaque. Ça commence... qui fera que ce Paris Saint-Germain devra séduire et chercher à tout emporter. Tout simplement, c'est l'objectif que Christophe Galtier a, c'est de tout gagner. Et nous tous, amoureux du Paris Saint-Germain, on sait qu'on a ce potentiel de pouvoir aller jusqu'au bout de toutes les compétitions. Mais oui, mais oui. If we can, let's talk a bit about the schedule, the games that we have here in Japan. Yes. Et après, on va laisser profiter. Yeah, that's right. Bah oui. That's right. Okay. So the 3 games that we have here, we start with Kawasaki on the 20th. That would be at 7:30 local time here at 12 o'clock in Paris. Moving on to play Red Diamonds on Saturday, July 23rd. That game is at 7 o'clock as well, 12 o'clock in Paris. And lastly, Gamba Osaka, your former team. Voilà. Monday, July 25th at 7 o'clock local. Alors, du coup, il l'a dit, je vais le répéter si jamais le calendrier ne s'affiche pas sur votre écran. Alors, petit récap, mercredi, ce sera en live, évidemment. Eh bien, ce sera d'ailleurs en codiffusion avec Bein Sport. Kawasaki pour le tout premier match. Diamonds, eh bien, ce sera le 23 juillet prochain. Le dernier match ici, donc le 25 juillet prochain, on l'a dit, du côté d'Osaka face au Gamba Osaka. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. PSG Nantes le 31 juillet pour le trophée des champions. La reprise de la Ligue 1 face à Clermont. Je pense que sur ça, on a tout dit. On va peut-être vous laisser... J'ai absolument tout compris. This guy's impressive. Voilà. On vous laisse profiter un petit peu de l'entraînement. On vous retrouve juste après. Merci pour ça, Patrick. À tout de suite.
Okay, so I want to
accepted that. You know, this, I'm not so always on with application. We usually often see the motivation out of 200 words. Why you like PSG, what is PSG, and what you know, and then from there. Yes. Voilà. Voilà. Allez, charge. Yes. Allez, comme là. We have to be honest and accept
So that's why the security guard was he's from Paris, and he picked up the thing. He said that it's crazy anywhere in the world, but Japan, he's amazed. You know, he's amazed that Paris are very happy. Because they know that they don't want to be in trouble, because in trouble, the players will go up. Yeah. Well organized, well systemed. Yeah, it is. And they just change the post, like, for the
Just to test them, this is the
is, I will need to send that because I don't have to think that the French. Thank you.
Thank you.
Wait.
that brings an end to the training session. As you can see here, there are fans on the pitch to greet the players as the training session has ended. As we said earlier, 15,000 fans were packed into the stadium tonight to watch the Lads train. C'est vrai, David, c'est incroyable l'effervescence dans ce stade. On le rappelle, tout à l'heure, on était avec vous désormais. Les joueurs vont aller à la rencontre voilà, de quelques privilégiés, chanceux qui sont ici en bord de terrain, pour les saluer au terme d'une journée qui était clairement orientée sous le signe de la rencontre avec les Japonais. C'était une très belle séance, hein. C'était physique, David, c'était intense. Beaucoup de monde et puis surtout bah, sur chaque action les supporters japonais étaient à 1000%. Yeah, that's right. So this is the end of the training session. It was quite an intense training session, but as we were with Patrick Obama before, he told us the importance of getting through these training sessions in peak condition and preparing for the season. Exactement. Alors là, on a les deux Brésiliens, Marquinhos et Neymar qui se rapprochent. Vous allez voir qu'à l'applaudimètre, ça va commencer à partir. We have Mbappe closest to us and Messi closest to us as the crowd is starting to gather. Et voyez Kylian qui est juste ici qui signe les autographes. Good to see Warren, Zaya, Emery on the trip, involved in the first team training. What an opportunity. Pablo ? Ça va, ça va. Comment c'était cette séance ? Oui, je suis très content pour tout le monde. C'est une ambiance fantastique pour tout le monde. Et je suis très content d'entraîner comme ça. Repos maintenant. Tu vas te reposer ? Reposer un peu et demain encore. Super, merci à toi. Ça va, Dani ? Ça va très bien. Et toi ? Comment ? Super ambiance. Ah, super ambiance. C'est très, très... Je suis très heureux de voir cette ambiance-là. Fait du bien comme ça. Bon repos.
intense, non? Ouais, c'était intense pour les joueurs, vous avez vu. Ça transpirait beaucoup ici, grosse séance, mais aussi pour le public qui a été génial. Donc merci à tous, merci eh bien, à tous les supporters japonais qui sont venus en nombre ici au Shichibukan Memorial Stadium. C'était parfait. Yeah, it was. Voilà. That was a perfect moment for the Japanese fans here. It got quite intense near the end, as everyone, of course, crowded near here just to get their signatures, just to get their photos, but it's truly, truly special moment. Brings the end of the training. Voilà, merci à tous, merci David, merci Loïc, Joachim, tous ceux qui étaient avec nous pour nous accompagner aujourd'hui. Merci à vous en France, il est 7h de moins, mais bon, on vous souhaite à tous une très belle journée. Pour nous, c'est l'heure d'aller se coucher, David. That's right, we'll see you guys tomorrow. Ciao. See ya. Descendre à Paris, c'est spécial, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. C'est vraiment beaucoup. Disons, dans le football, aussi dans le football d'aujourd'hui, c'est vraiment dur d'un joueur de rester 10 ans dans le même club. Mais moi, je suis vraiment heureux d'arriver à cette étape avec Paris Saint-Germain. C'est très important pour moi, me donne la possibilité de gagner beaucoup de trophées. Et j'espère de les gagner encore plus. Je me sens vraiment à la maison. Et je donne tout pour ce club parce que, après 10 ans, pour rester 10 ans, il faut aimer le club. Sinon, j'étais parti déjà avant. Mais chaque jour, je vous montre encore et je devais payer toute la confiance qu'ils me sont donnée quand j'étais petit. Marco, c'est un phénomène. C'est un personnage à part. Et c'est une personne d'honneur. Un grand ami qui pense plus, beaucoup plus aux autres qu'à lui-même. Je pense que la première année, le premier titre, c'était un des souvenirs que je me rappelle toujours avec beaucoup d'émotion parce que c'était mon premier titre. C'était un titre après 21 ans pour le Paris Saint-Germain. C'était quelque chose que tout le monde attendait. C'est l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué et contre qui j'ai joué. C'est le milieu de terrain total, ultime. On a beaucoup de chance de l'avoir avec nous depuis tout ce temps et on espère qu'il va continuer comme ça parce que c'est vraiment une légende du Paris Saint-Germain. Je pense que le supporter, la fin, c'est qu'il s'attend plus d'un joueur, c'est quand il voit qu'il donne tout. Après, je ne suis pas le meilleur de l'effectif. Ils sont passés ici, j'ai vu passer vraiment des joueurs incroyables, il y a beaucoup qui sont beaucoup plus de qualité de moi, mais moi je pense qu'un supporter, c'est quand moi j'allais regarder les matchs, on était toujours attaché à un joueur que tu voyais qu'il essayait de donner tout. Après, j'ai raté mille fois, je raterai encore mille fois, mais la chose que je ne raterai jamais, c'est de rentrer dans un terrain, être au 100% et faire mon maximum. Marco Verratti, dentro del campo, es un jugador muy solidario, muy generoso, que corre cuando el compañero no puede. Es un jugador fundamental que da mucho equilibrio tanto al PSG como a la selección italiana, ¿no? Creo que es un jugador de nivel mundial. Marco Verratti, ¿qué dire su di lui? Ha dei piedi incredibili. A centrocampo è un leader, quindi sono contento davvero di stare con lui e di giocare con lui. Sì, on a tous qui ont besoin, on a un grand club derrière, on a des grands supporters, on a un grand stade. Quand on joue des matchs de Champions League, des matchs de championnat, tu arrives au stade, c'est comme toujours la première fois, tu jamais tout dit, oh, j'ai plus l'habitude, c'est toujours pareil, non, c'est jamais pareil. C'est quelque chose d'incroyable. Il faut qu'on continue à grandir parce que c'est vrai qu'on a gagné beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses à gagner.